Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Jeudi, c'est mardi 17 septembre 2024. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis, autorité dans la ville Springfield, dans l'État Ohio, prend nouveau mesure dans le gros tollé à cause d'accusations qui tombaient sous deux communautés haïtiennes. Actualité électorale aux États-Unis a fait influence au soir ingérence pays étrangers dans l'élection. C'est causé qui inquiète les partis républicains tant qu'au parti démocrate. Là. Et puis dans le pays d'Haïti, ambassadeur États-Unis Dennis Hankins et directeur ULCCA Jacques-Louis Joseph fait chita parler sur plusieurs sujets, parmi eux scandale corruption BNC qui impliquait trois conseillers présidentiels. Et oui, c'est point ça yo, avec l'autre encore que nous allons développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole. Vous faites bon choix. Actualité A, c'est autorité Springfield, on a parlé de l'État Ohio, qui a adopté plusieurs mesures devant gros tollé, sa parole en pile après accusation qui tombait sous dos haïtien et qui a vivre dans Springfield, dans l'État Ohio. Sandra Lemaire a dit nous plus. La police est à Ohio pour aider protéger l'école dans une ville qui fait face à plusieurs douzaines menaces violentes à cause d'un palais en pile qui gagnait dans tout le pays et qui soulevait colère migrants haïtiens. Le gouverneur Ohio, Mike DeWine, a annoncé la nouvelle lundi pendant une parade qui était faite dans Springfield. We have received, Il dit nous recevoir au moins 33 menaces bombes. Nous répondons chaque et nous joignons que toutes c'était menti. Hôtel de ville Springfield là, plusieurs écoles et bureaux l'État qui géraient tout ça qui gagne pour eux avec machine, avec chauffeur, t'es obligé d'évacuer ce même ça à cause de menaces bombes qu'ils ont recevoir. D'après le gouverneur, c'est un acteur étranger qui est responsable pour une bonne valeur non menacée, mais il refusait bail non aucun pays. Gouverneur a dit, policiers qui ont fait patrouille sur autoroute Ohio, pour aller camper devant l'école dans la ville à partir mardi et puis inspecter tout building l'école yo, chaque matin. Américain Bill Teeger et Paul Gomia t'est conduit à les Springfield sorti dans Middletown, Ohio, lundi, pour visiter restaurant haïtien qui relie Rose Goûter Créole. Yo dit c'était pour montrer support pour mon en ville. We drove up here from Middletown. Il dit nous venons ici de la sortie Middletown parce que nous vexés pour ça qui passait ville la semaine passée qui fait bruit dans niveau national et même local. So we wanted to come up here to support, you know, a Haitian business. Nous voulons appuyer au business haïtien tout et puis faire un virage dans ville là pour garder qui Jean Bagayoye parce que image yo présenté dans niveau national sous ville là yo l'air en pile. People are getting hurt and I don't like that. Li dit ça fait moun mal et moi pas aimer ça. Pas parce que moi c'est avocat, mais parce que moi pas aimer que moun pas ka travay, moun yo peur, gen menace bombe, c'est un bagay complètement fou. Springfield annulé célébration diversité art et culture que li fait chaque année à cause menace. Springfield a attiré attention en pile monde ça pas gain longtemps après ancien président Donald Trump à colistier li JD Vance te mette piplis passé ça qui gagnait le yo te bay menti comme quoi migrants haïtiens yo a mangé chat chien axwa moun villa. Président Joe Biden exprimé support li pour communauté haïtienne nan n'a pas l'élite fait à la presse dimanche. I want to take a moment to say something like so many Americans like Karine. As he pointed out, a proud Haitian American. Il dit moi t'as même pas un moment pour dire un bagage pour Américain tant que Karine Jean-Pierre qui fier de ce que c'est une haïtienne américaine, une communauté qui en bas attaque pour nous là dans le pays nous. C'est un bagage qui pas correct. Pas de place pour bagage comme ça aux États-Unis. Faut que ça suspende. Porte-parole Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, tout t'es parlé sous ça pendant rencontre li avec la presse. I take it personally when any vulnerable community is attacked. Li dit moi considéré tant qu'une attaque personnelle, n'importe qui l'a attaqué, une communauté qui a un problème. Ce n'est pas seulement une communauté pas moins que moi si elle le mais n'importe qui communauté fragile que l'a attaqué avec méchanceté ou façon injuste. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Docteur, nous capables d'un pile réaction qui continue à enregistrer par rapport à situation ça dans Springfield, dans l'État Ohio. Par exemple, gain plusieurs Haïtiens à Miami, ils ont même réagi et ensemble avec accusation ça y et dans micro Luxon Saint-Ville, citoyen ça y dit, yo ouais dans ça qu'a passé là, ils ont démarche politique dans occasion élection qui vient pour dérouler dans mois novembre Kevin là c'est habitant Miami mandé compatriotes Ohio pour être très véatif très prudent Luxon Saint-Ville. C'est avec un pile d'indignation haïtien qui vivent Fort Lauderdale avec Miami réagit dans micro VOA créole par rapport à ensemble de critiques y a porté contre haïtien dans Springfield dans Ohio. Pour un pile de citoyens ça nous parler à qui ça y a reproché haïtien pas rentrer dans la culture. Non. Pour un pile là-dedans, c'est un jouet politique qui a fait. Critique ça m'a vu là, il fait vraiment mal parce que l'autre, il a jeté un bail qui. Il a jeté nous manger chien, nous manger chat dans le pays, nous ne pouvons pas faire. Les balais nous viennent dans le pays, nous ne pouvons pas manger chien, chat, nous ne pouvons pas manger chat, mais dans le pays, nous ne pouvons pas faire ça. Au connaît. Blanc, blanc, on va faire blanc qui est raciste, si on a besoin de faire capital politique, il y a juste lagué ça pour nous, il y a passé. L'OTAN des. Type de propos ça aux questions de manger chien manger chat. On connaît que grand pile monde qui a fait blague ensemble avec lui surtout en Haïti ou après sur les réseaux sociaux. On après grand pile monde qui a fait blague ensemble avec bagaille là qui a dit ah bon OK nous aimer manger chat vrai les nèg fin boire clair il faut qu'elle mange chat tout dit ouais ça me dit. C'est un aspect politique parce que et à l'autre bois, j'ai l'impression c'est un état républicain. Sure, donc ça vient faire que tout autant gain plus noir et immigrant qu'après l'autre bois. Mais qu'a plus vienne sembler à qu'on état démocrate. Mais ça nous-mêmes, nous là. Regardez même les besoins bon. Mais c'est des besoins bon. Des besoins bon. C'est pas ça le tablet pour tous ces citoyens haïtiens. Tout côté nous dans le pays, il y a des pour paraître côté. Ou, par exemple, nous avons une application pour travailler avec quelqu'un qui a gardé nous mal, il a pas malgré haïtien, haïtien ça, il a mangé chien, il a mangé chat, il a mangé toute vieille bête, cannibale, il n'est pas belle pour la communauté. Nous n'avons vraiment pas apprécié. Et année ça, bon, je ne vais pas voter pour année, je vais voter pour démocrate parce qu'il faut que ça finisse dans le pays, il y a bagaille, ça c'est bah, raciste lié. Nous ne pouvons pas remettre tout haïtien campé pour nous mettre ensemble, pour nous dire non, ça fait dans le pas bon, pour nous capables au moins garantir respect. Par rapport justement à la sensibilité qui gagne dans la question ça, citoyens en Floride yo mandé compatriotes yo dans Springfield Ohio pour yo rete calme et puis faire en pile prudence. Yo rete calme, yo pas fait tête chaud, comprenez? Et ça nous ta souhaité et tout moun a porté main faute ba yo. Haïtien son peuple qui gen force, qui gen courage, c'est prend la débois et puis et si nous gens que nous te kon comportement yo surtout changer de comportement, changer mode de vie yo. Bon, pour mon yo just pour yo ta rete calme, pour yo calmer yo et puis prudent dans la rue d'ache. Compatriotes ça au penser situation ça, c'est un moment idéal pour tout haïtien ta mettre tête ensemble pour yo rebâtir pays yo. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Créole. Merci Luxon Saint-Ville. Nous parler dans le pays d'Haïti, côté que gain réaction, indignation, et surtout dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince, côté correspondant nous, dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, t'es parlé avec quelques leaders communautaires. Youn après l'autre, Ribert Nonsan, Méonel Méosier, respectivement président et porte-parole, plateforme politique Force Canapé Vert, ak Saint-Jean Matelmi qui c'est président parti politique Noudra. Gen en pile monde qui parle dans diaspora qui dit que c'est menti. Qui côté peuple haïtien t'a pral touyer chien pour le manger. C'est diversion. Donald Trump a fait nous mandé diaspora système moun sa yo pas voter yo l'autre bois et ça nous mandé. C'est vle yo pas vle ouais nous. Ça que fait yo pas vle ouais nous. Parce que jodi a les États-Unis pas reconnaître l'indépendance Haïti. Jodi a malheureux malheureux pas qu'à vivre. Jodi a nous on peuple c'est en battant qui est-ce qui participe, c'est le Canada, la France. Jodi a n'a dit c'est bien côté malgré peuple haïtien c'est peuple qui est cœur, c'est peuple qui connaît souffrir, nous pas manger chien, nous pas manger chat. Et yo ka dit n'importe bagaille et quoi dans peuple haïtien. La question a fait chier. C'est son faiblesse de l'État haïtien, à savoir les autorités étatiques qui construisent ça, produit derrière. Comment vous voyez ça, mon chien? Vous êtes déceptionné.
C'est une question de discrimination. Parce que l'idée de nous est là-haut, c'est l'argent, ouais, nous ne pouvons pas être humain dans le pays. Saint-Jean Matilmi mandé conseil présidentiel transition avec le gouvernement Gary Conny à diriger pour exiger excuses publiques dans les États-Unis d'Amérique par rapport à ça, il a dit sous migrants haïtiens qu'elle considérait comme un acte discriminatoire. Ou en a tout ça pour VOA Creole, Port-au-Prince. Vous toujours souvenez VOA Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtien. Actualité à ce point international dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité internationale là et surtout actualité électorale là ici aux États-Unis. Eh bien, gagnent ça fait influence ou bien ça nous les ingérences pays étrangers dans élection présidentielle aux États-Unis. C'est un sujet qui porte inquiétude ni qu'à républicain ni qu'à démocrate. Et Jean-Aubert Philippe a suivi de très près pour nous et actualité électorale là ici. Jean-Aubert, et déclaration, eh bien, inquiétude ça a fait dans le moment que gain pays tant que la Russie, Iran, la Chine, ils ont même essayé d'influencer l'élection américaine et t'as semblé même qu'ils ont fait ça déjà et ils voulaient continuer. Oui, effectivement, je dis, en tout cas, pour la dit, c'est pire qu'on prend devant. Donc, l'administration américaine prend devant pour voir s'il est capable au moins limiter les dégâts que l'ingérence pays étranger, tant que la Russie, la Chine, avec l'Iran, est capable de faire pour affecter le résultat de l'élection. Parce que, d'après eux-mêmes, probablement, ça qui parle passé, il est capable de pas d'intérêt. Donc, États-Unis prend devant, quand ils commencent à dénoncer même l'ingérence pays étranger et son bail qui, en l'inquiétude, que ce soit à ses côtés démocrates ou bien côté républicain. Course présidentielle américaine continue à faire route li, plus n'a pas rapproché sous date finale là, malgré présence de ces acteurs étrangers qui a visé électeurs pour chercher à influencer les résultats. Candidat républicain Donald Trump déclaré n'a pas sauvé l'économie pays, n'a pas sauvé la classe moyenne. Candidat parti démocrate là, Kamala Harris, parle pour dire il est le temps pour une virer page là. D'abord, l'autorité américaine a réussi à entrer dans la compétition. Le ministre de la Justice américain, Merrick Garland, déclaré President Vladimir Putin's inner circle, qui vraiment proche président Vladimir Poutine, Tokou Sergei Kirienko, mandé compagnie relations publiques russes pour yo encourager des informations et paroles que l'État patronné dans le cadre d'un programme pour influencer l'élection présidentielle États-Unis 2024. Dans le cadre de d'après l'accusation États-Unis, il y a plusieurs douzaines de sites nouvelles qui ont influencé la façon électeur américain réfléchi sur questions qui pi important yo. L'autre partie a impliqué réseau média l'État russe RT qui t'a gagné comme travail pour lui transférer presque 10 millions de dollars par un média qui est basé aux États-Unis. Matthew Miller, porte-parole du département d'État, parle vous dit pour vous et des millions de dollars par américains qui parcourent en plan pour faire passer message Kremlin pour influencer l'élection américaine yo et puis miner la démocratie. Là aussi, démenti accusé son saio. Pour le parole ministre des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zakharova, parle pour dire ça c'est russophobie. Qui donc, ces paroles, monde qui raillit la Russie, c'est une attaque sur la liberté de la parole, c'est discrimination et puis c'est jouet qui pissal États-Unis a joué avec moun nan pays a kap travay en bachal pour manipuler élection. Autorité américaine yo voye jeté bien loin accusation sa yo que yo considéré comme une plaisanterie. Évaluation du document que yo été dans catégorie secret qui déparaît en public dans commencement mois qualifié la Russie comme menace étrangère qui pi actif dans élection qui pral fait là pour renforcer chance ancien président de Donald Trump. En plus de la Russie, nous jeune Iran. Ministre Justice là, Merrick Garland ajouté, nous observer activité agressive Iran qui augmenté en pile pendant élection. Activité iranienne a cherché compromettre tant pas ancien président Donald Trump pour éviter un résultat qui ca contre intérêt.
Dirigeant dans service renseignement américain yo fait qu'on est la Chine a dirigé une campagne média social tout petit pour réduire chance candidat qui compte Pékin. Mais est-ce que effort États-Unis pour décourager activité ça yo, c'est une question. Margaret Talev, cap enseigné dans l'université Syracuse dans New York, parle pour dire Moi pas quoi qu'il y a des marchés arrivés dans tête priorité électeurs américains à suivre, mais vraiment l'important pour électeurs comprendre ça qui a passé à une façon pour capable éviter servir comme un pion. Activité ça ben américain en pile pour réfléchir dans moment il a paru pour acheter bulletin dans prochaine élection. Jobert Philippe VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Eh ben, dans la région Moyen-Orient même, la situation a toujours été compliquée. Moun kapabwe image, côté palestinien, yo même y a essayé éteindre du feu après yon explosion qui fait dans zone Gaza, plus précisément dans camp Burège. Et puis, pendant ce temps, il y a plusieurs centaines membres Hezbollah qui yo même blessé, jodi madia, à cause d'une explosion que l'armée israélienne n'en fait. Et il faut dire qu'il y a 8 personnes qui mourent dans le groupe islamiste libanais et il y a la guerre responsabilité à Soudo Israël. Et puis, attaque, explosion, ça a fait quelques heures après que Israël annonçait que, guerre qu'il a fait contre Gaza, il a pris l'autre dimension, côté libre à puis plus sous frontière que Liban partagé avec Gaza. Donc, c'est comme ça la situation est dans la région Gaza avec sang qui continue à couler et Batala qui apprend l'autre extension pendant que l'Occident lui-même toujours gagne espoir capable de joindre un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre Israël-Hamas. Vous souvenez ou à Creole, vous suivez un programme dans la langue Creole haïtienne. Ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti, Denise Hanskin, rend visite à elle lundi 16 septembre 2024 là, avec le directeur général Unité Lutte contre Corruption, Anne Ludwig Joseph. Une rencontre qui fait dans le moment côté institution ça a mené une enquête sur allégations corruption qui impliquait trois conseillers présidentiels, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vettilaire. Visite ça, son visite de coup de croisée selon publication sur compte X, directeur général ULCCA. C'était l'occasion pour deux responsables de discuter cordialement sur le travail institution, suivi rapport enquête avec nouvelle piste coopération. Visite ça venait dans un contexte particulier côté ULCC apparaît pour une conclusion enquête sur allégation corruption qui visait trois conseillers présidentiels, en l'occurrence Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin. Monsieur Sayo, il y a une accusation sous le bon côté Raoul Pierre-Louis, ancien président conseil administration BNCA, comme quoi il a exigé pour le bail 100 millions de gouttes pour capable garantir poste. Dossier ça, n'a pas souligné actuellement secoué toute sphère politique là. Côté l'Iran, conseil présidentiel transition quasiment dysfonctionnel. Il y a diverses démarches acteurs à entreprendre une façon pour capable remplacer Mamio dans KPTA à l'exception de Petit Dessalines qui lui-même pour comprendre aucune décision jusqu'à présent. Selon dernière information yo, ancien président conseil administration BNCA risque gros si toutefois li pa ta répond nouvelle convocation ULCCFL semaine ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, c'est correspondant de Port-au-Prince et question et gros scandale ça BNC avec CTPA et belle continue rester dans actualité avec chaque jour rebondissement qu'on y en attend. Est-ce que qui ça USCC pour le faire? Il dit que le mot du doigt a sorti dans cadre et dossier ça. Et puis il y a un autre point dans actualité concernant pays d'Haïti, il y a un groupe syndicaliste qui manifestait devant Villa d'accueil là pour dénoncer façon CTPA ou bien 4 KPTA, et bien choisi membre KEPA. Massado Vilme, c'est correspondant VOA Creole. C'est ça, c'est pour exprimer des accords face à processus pour désirer un représentant secteur syndical là dans le conseil électoral provisoire.
syndicalistes protestataires ont demandé pour conseil présidentiel transition respecter choix Rodolphe Pierre qui pourrait présenter au KIPA. Conseil présidentiel là, il était annoncé que à chaque secteur pour yo capable désigner un monde. Mais ça fait yo écrit une grande entité dans le secteur qui c'est Kochako. Pour te choisir mon nom et puis monsieur Kochako yo fait un coquin, yo mal fait choix. Matin, présence nous là en face CPTA, c'est pour dire monsieur Damio arranger yo secteur syndical là pour qu'on représente en dans KIPA par rapport au mauvais comportement et puis jouer vicieux José Mérilien à régler avec Kochako. Nous pas qu'à négocier élection dans pays yo pays qui très difficile, yo pays qui a un paquet de problèmes, yo pays qui a des problèmes moun. Nous pas qu'à prendre n'importe monde pour nous mettre représenter nous en dans secteur syndical là pour aller faire élection dans le pays. Donc nous pas qu'à tourner dans le côté que nous y est là aujourd'hui. Donc monsieur Pierre Rodol, c'est un nègre côté que c'était gagner confiance dans lui qui pral représenter secteur qui pral faire travail là valablement. Professeur Josué Mérilien qui est dans cité dans soi-disant manœuvre ça nous t'ai contacté dans téléphone confirmé pour dire nous c'est syndical les Sanon et Maud qui choisit pour représenter le secteur dans le KIPA. Pendant le voyage, j'étais toute accusation qui planait sous dol dans le cadre de Massa. Nous devons rappeler le mois juillet passé, dans le cadre d'élection collective syndicat haïtien pour respect constitution été organisé, M. Sanon a déjà joué une bénédiction à l'Assemblée avec 70 voix contre 21. C'est pendant Chiré Pitsila, pas seulement dans le secteur syndical là. Il y a une conférence pasteur haïtien qui reproche la Fédération protestante qui agit de façon unilatérale dans quatre démarches pour désirer un représentant qu'il dans le Conseil électoral provisoire. VOA Creole, Port-au-Prince. Oui, ou toujours sur VOA Creole, yon l'autre point encore dans l'actualité à concernant le pays d'Haïti, gen yon nan 5 cas nan moun qui était victime nan explosion Miragouane nan qui était transféré nan l'hôpital Immaculé Conception au CAI, eh bien, li mouri. Nous allons rejoindre et correspondant Jean-Ernst Eliska qui gen l'autre détail encore sous question. Parent 5 nan victime explosion citen gaz Miragouane qui était transféré dans l'hôpital Immaculé Conception au CAI, critiqué personnel HICO, yo di ki pa bay victime yo assez soins pour soulager souffrance yo. Quelques parents a expliqué. Vraiment pour mieux jouer, yo di, yo pa ka di, yo chouchouté. Mais depuis hier, les mauvais là, yo a même pas d'aller de tout, yo a quoi nan, yo te verre en bas, yo pa d'aller yo a verre. Sou ta rentre an dan pou wè fò, mwen sa yon fami. Nou konen boule, fami la mi prop. Sou bagay tout an pou nan prop te. Mwen fami, si mwen bagay, pou moun nou komanse chan de boule. Yo vin blanche. Yo pa prop te, yo limi. Yo pa prop te. Depi yo bayo serum, kon mwen di nou. Men, pwennan yo bayo soun an dan, fwa yo bayo soun potou. Yo pourri nan men nou, yo sorti, yo pa fè pansman pou yo. Bagay la sorti. Kouye nan pye yo la, ya pou yo mette serum nan, depi la yi te serum nan sorti. Si pou yo yo pou yo mette serum nan pou frem nan, yo pa mette nan. Yo mèm jouè yo ti la mèd. Parmi 5 nan viktim yo ki te nan l'hôpital la, gen yon la dan yo ki mouri. Administrateur l'hôpital Immaculé Conception au CAI, Henri Girard dit Jean-Luc reconnaît l'hôpital là pas gain assez structure pour recevoir kamoun ki boule yo. Cependant, il fait qu'on est yo fait tout ça yo capable pour recevoir victime yo. Et nous fait tout ça nous est capable, nous mettez tout ça nous de gain qui fait à disposition pour prise en charge des faits. Et directeur et chef de service chirurgie et soupiel tout pendant là c'est le professeur Boyo c'est lui qui fait tout bagage les diagnostics fait tout ensemble de bagage mais c'était des cas qui vraiment est-ce que ça veut dire qu'a dépassé l'hôpital pas technicien dans la matière pas qu'à avancer de trop grande déclaration là-dessus mais samedi ouais m'pa quoi nous j'ai structure suffisamment qui te carré sur Boyo correctement bien. D'après un rapport partiel, Centre Opération d'urgence nationale publié
il y a 27 personnes qui mouri, 42 autres blessés, parmi eux, il y a 20 blessés 3e degré à 15 autres 2e degré. Explosion a détruit 16 motocyclettes. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okay. Merci Eliska. Dans célébration 20e et anniversaire professionnel haïtien AHP, membre organisateur honoré plusieurs professionnels dans communauté a, yon grand monde haïtien qui gagne 100 l'année ak groupe musical Tabou Combo dans Washington DC. Gentil Augustin Junior, t'es présent. Dans le 40e anniversaire AHP, qui c'est Association Haïtien pour professionnels, côté que yo toujours réuni pour yo célébrer ensemble. Et dans 40 ans ça, yo t'ai honoré plusieurs professionnels haïtiens qui dans différents domaines, gagnent ces médecins, gagnent ces agronomes, gagnent ces professeurs l'école, gagnent tous ces écologistes, mais nous t'ai arrivé parler avec quelques professionnels ça yo qui t'ai présent dans activité a. Yo t'ap di nou a ki sentiment yo même yo te recevoir award ça. Assoyan, m'très fier que yo choisi pour award ça parce que ça fait longtemps l'aime t'es très jeune, m'te gen 21 ans, ça gen longtemps que m'te en membre dans organisation ça et que kounya pou m'vin tourner comme en tant que professionnel et que yo choisi pour professional achievement award. Le fait que moi recevoir plaque ça démontrer que yo reconnaît travail que nous fait. Comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes première génération des pionniers communauté haïtienne. Je ne peux pas obtenir un award là. Les gens qui ont dit que vous choisissez parmi les gens que vous avez battu aujourd'hui, je suis vraiment saisi parce que je travaille avec eux au commencement de l'année pour aider les artisans haïtiens qui étaient collés là. Gilles Charleston, un membre fondateur de l'Association professionnelle haïtienne, expliquez VOA Creole processus sélection professionnelle ça yo. Nous développer des catégories de prix que nous pensons qui est important pour nous-mêmes en tant qu'association, en tant qu'haïtien. Diaspora, engagement diaspora avec Haïti, c'est une catégorie. Accomplissement professionnel sont l'autre catégorie. Et services communautaires sont l'autre catégorie que lié. Potomitant pour préserver héritage nous sont l'autre catégorie que lié. Et en même temps tout nous gagner esprit entrepreneurial. Qui sont leurs catégories. Donc, en total, nous gagnons 5 catégories. Au-delà de ça, je dis à tout, nous te baillons des prix mérités à Tabou Combo, qui sont légendes dans la communauté. Nous baillons, on prie tout à un centenaire, une haïtienne qui gagne 100 ans, année ça. Comme nous-mêmes, nous pensons que l'homme nous ferait 100 ans d'existence, son bénédiction liée. Yves Joseph, alias Fanfan Tibot, membre fondateur Tabou Combo, recevoir distinction groupe là ensemble avec l'autre musicien yo et Diveo à Creole à qui sentiment li recevoir. M'a dit ah merci et c'est ton surprise même pas comme ça t'a privé et le bon trophée m'té j'ai en anglais m'té speechless parce que pas comme ça m'té dit parce que m'a attendre même pas préparer rien. Comité AHPA déjà lancé invitation pour 21e édition gala association. Pendant n'a rappelé soirée 20e nan té chargé ak ambiance. Donald Théodore, yon jeune chanteur, musicien haïtien té animé public là. Avant Tabou Combo té fait main soirée ça ak bon Jean Compa direct. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc, gentil Augustin Junior avec Jean-Marc Hervé Abella, de Monsieur Sayo, t'es présent dans l'occasion Gala ça. Donc, rendez-vous, c'est pour l'année prochaine, pour l'autre gala annuel, tant que vous faites chaque année. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te présenter au programme là. Pendant ce temps, on match Real Madrid cap joué là. Real Madrid a Stuttgart cap joué. Et la dernière fois, on t'a gardé, on était 1-0. Et Real Madrid 1-0. Reste là, pas qu'on aime, parce que nous, en direct. Donc, nous disons merci pour attention. Nous disons Chang Wang, merci. M'koué, c'est Franklin qui l'a. Et Zamino, merci Franklin. Et puis, Jean-Marc Hervé Abella, qui c'est chef pupitre là, nous dit le merci. Donc, rendez-vous, c'est pour demain. Pour un autre rendez-vous info, moi c'est Jacqueline Bélizère, cap salue nous et nous connaît, qui remet nous en pile. Merci et à la prochaine. Qui est pour avec Haïtiens qui vivent aux États-Unis.
Dans l'émission aujourd'hui, nous allons continuer à garder ensemble de sujets, ensemble de points sérieux qui sont actualité. Mais d'après ça, vient jouer équipe mais ça nouvelle là mes amis. Pour jeune c'est mardi 17 septembre non. N'apprendre que l'armée d'Haïti, police nationale d'Haïti en appui avec officiers et puis soldats officiers kenyans et soldats jamaïcains qui là et puis belizio. Monsieur yo, mettez présence yo, mettez pied yo à terre dans la saline. Alors, nous avons dit quoi beau sale? Mais dit quoi beau sale, c'est dit la saline. C'est dit en bas la ville. C'est dit marché Hippolyte. C'est dit marché en fait. C'est dit dans Guérite. C'est dit portail Saint-Joseph. C'est dit tout en bas la ville, sous grand rue. Eh bien, information vient de nous. Ensemble force de l'ordre sa yo, monsieur yo, mettez présence yo, mettez pied ou à terre dans zone sa. Et moun ki sou place kap suive, yo tende, à travers un zi, mégaphone qui gèlè nan chablende yo, que force de l'audio, yo mandé, de bien mes amis, yo mandé avec machin kap vann en bas la ville, kap vann Croix-Boussal, kap vann Bomadankolo, kap vann Portail Saint-Joseph, kap vann dans toute zone sa yo, pou yo quitte espace là, pou yo libérer espace sa, pou yo bay espace sa blanche, pour que force de l'audio capable river rétablir sécurité la paix dans zone ça. Est-ce que même j'ai avec Badelma que l'armée d'Haïti force de l'audio yo consolider espace ça yo pour me dire qui ça pour me dire que depuis 27 et d'août que l'armée, la police présent dans le niveau Badelma et a progressé chaque jour qui passait. Est-ce que c'est pour la même réalité hein, dans le niveau la saline que nous apprenons force de l'audio présent mardi 17 septembre 2024 là. Et pour le moment, on a parlé là. Pagiti machan kap van nan Croix-Boussal nan moment parce que force de l'ordre mande yo retire kò yo pou yo pa victime pendant que la police a mené des opérations et yo passe message a clair pendant nan chablende yo force de l'ordre moi même moi trouve que c'est un très belle comportement la caille policier sa yo la caille force de l'ordre sa yo qui comprend obligation pour yo mener pour faire travail yo mais tout obligation tout pour yo éviter que deux membres de la population civile pour yo pas victime. Et si tout si machin nous yo. Parce que qui est-ce qui va vendre Croix-Boussal? Mes amis, c'est malheureux, malheureux. C'est maman moi, c'est maman, c'est ma tante, tout, c'est soeur, c'est cousine, c'est madame ou qui va vendre Croix-Boussal. Alors, qui est-ce qui rete? Qui est-ce Croix-Boussal qui rete? Parce que, bandit krasel, oligat compu en krasel, yo krasé Croix-Boussal nous an. Nan armé jeune garçon pour détruire pour touiller pour bouler même moun ki semblait avec yo k'ap vann nan Croix-Boussal et yo prend k'ap Croix-Boussal yo pote l'en l'air
Yo pote en l'air, Petionville en l'air, Kinskov en l'air fusil. Et là pote Kwabo Sal nou. Et nous connaît bien Kwabo Sal dans le temps les Kwabo Sal té Kwabo Sal. C'est plus gros centre économique informel que pays en gagne. Alors, m'a dit dans capitale haïtienne pour me dire comme ça. C'est plus gros centre économique informel que pays a été gagné dans le temps. C'est jeudi, hein? Nous pas qu'à parler de Croix-Boussal. Nous pas qu'à parler de Bachy en fait. Nous pas qu'à parler de Hippolyte. Nous pas qu'à parler de Soupaille. Nous pas qu'à parler de Nanguérite. Parce que zone ça yo, yo existe nan non. Mais en termes de ça, été représenté en termes d'activité commerciale, pas que ça yo encore. Parce que bandi krasé, bandi boulé, bandi touye, et yo accepté fait job oligarque corrompu qui dans secteur privé dans commerçant qui ouais que moun kap dégager yo moun kap et vendre en bas la ville dans zone ça yo, c'est comme quoi m'a dit, c'est un danger pour yo même dans secteur économique là qui n'a plus au niveau hein, alors que c'est pas vrai, alors que c'est pas vrai. Nèg yo krasé Kwabo Sal. Et m'baba nou menti. En pile moun jodi an débouté levé nan périmètre Port-au-Prince ou té levé nan région métropolitaine Port-au-Prince ou pa capable ou té que ta pa jamais nan zone ça. Mais ou pas capable d'attendre parler de Kwabo Sal, Madan Kolo, Porte sous Portail, marché Hippolyte, marché en fer, Topolino, ensemble de marchés en bas. Et même là ou même physiquement, ou pas qu'on aller dans espace ça yo, ou pas capable dire même ou pas qu'on prêt à l'acheter en bas ça. Parce que j'ai pas gardé pour besoin yo, ou dire ba mal acheter en bas la ville. Parce que c'est là où on a tout son besoin, en gros et en détail. Et puis, ou même, on a acheté notre dimension qu'on est capable et pour aller vendre. C'est qu'il y a plein de magasins en bas la ville. Et puis, notre bambo, plein de magasins, magasins d'État, magasins après aller Duvalier, après aller régime Duvalier-Ristan, c'est plein de magasins en bas la ville. Et t'es plein moun k'ap dégagé yo des gros dépôts, des gros boutiques en bas la ville. Parce que là t'es gen la vie. T'es gon la vie économique en bas la ville. Malgré t'es kon gen de situation insécurité, oui. Mais le pote ko j'aime rive nan niveau ça. Le pote ko j'aime rive nan niveau ça. Et dernier en date, c'est 29 février 2024 ça là que organisation criminelle vivent ensemble nèg yo prend décision pour écraser Kwabo Sal, nèg yo prend décision pour écraser en bas la ville et au détriment peuple haïtien dans intérêt oligarque corrompu dans intérêt bourgeois moun nou les bourgeois yo qui pas travaille ensemble avec l'État pour créer des conditions pour moun capable vivre, fonctionner la donne, au lieu que vous faites ça, préférez rentrer dans la concurrence déloyale et vous préférez tout à détruire ou même qui est dans la classe prolétarienne et ou même qui est dans la classe moyenne. Imaginez, ça m'a dit ainsi, on dit menti. Pendant pral gen rentre l'école ça là. Pendant pral gen rentre l'école ça là. M'a bon menti. Hey, en bas la ville t'a bourré avec moun oui. T'a bourré avec moun qui pral acheter pour comme c'est liquidation oui. Liquidation, tout bagay net dans moment où t'a gen liquidation en bas la ville là.
que moun d'après l'acheter et ou d'après revendre dans tout côté net sous Delma, Pétionville et Carrefour fait l'autre côté encore, tout côté net. Tabac, quoi des bouquets. Parce que les ça moun yo parents yo yo t'a commencé à arranger yo pour yo préparer rentrer l'école si moun yo. Et ouais, en pile dans marchand. Malé et malé, est-ce qu'il a dégagé à la ville? Eh bien, de 29 février à date, il est obligé de quitter la ville. Eh bien, ils font garder sous la lion là. Devant mes sept roses de Lima, qu'est-ce qu'il met la lion? Il garde pour nous, comment que la boue est à machin. Il garde tout monter la lion net. Alors, est-ce que c'est des gens qui étaient peut-être à bien dégager en bas la ville? Imagine au moment l'école s'est ouverte là, devant quatre cathédrales, de l'autre côté, machin cap vend livre yo, changez, cap vend livre, yo get tabio, yo get c'est des gros boîtes comme si yo mettait livre yo qui fait en fait, pas que magasin encore, négro crasse, bandio crasse en bas la ville. Nan fait choule, nan fait service travail oligarque combien. Et qui est cap vend dans la ville? C'est maman papa ou? C'est frère sœur cap vend dans la ville? C'est mal est cap vend dans la ville? Hein, je dis là, l'école pral ouvrir là nan moins que une semaine encore là. Nan moins que deux semaines encore là. Et mais en pile parent là, c'est en bas la ville tu pral acheter trois uniformes, souliers, valise, boîte. Hein? Pour Simon, pour préparer entre l'école Simon. Moi-même, moi j'étais vivre de ça d'ailleurs. Je dis ça. Je suis avec Port-au-Prince, je suis avec peu de choses. Donc ça, moi vivio. L'école est ouverte, m'a acheté souliers. Maman m'a acheté souliers, mes frères m'a acheté souliers. M'a acheté trois uniformes pour ma bus school. M'a acheté valise, m'a acheté livre. Des en pile parents pas qu'à l'acheter livre dans maison des champs yo on va faire promotion pour litre non yo pas qu'à l'acheter livre dans maison des champs yo et résien yo y a prend copie en bas la ville et résien yo y a prend copie en bas la ville mais quand même si l'école a pas bay problème si moun a gè tout livre quand même et ça m'a dit à quatre fois. Ou ka pa d'accord avec moi. Gen des livres. Ou konn pa ka jwenni nan maison des champs yo. Nan librairie yo mwen di konn sa pito. Nan librairie yo. Et puis ou al checker en bas la ville, ou jwenni. Bon côté machin yo vann livre, cahier. Ka vann tout bagay ou konn fourniture classique. Surtout zone en face cathédrale. Ou jwenn quand même. Ou jwenn quand même. Ou elle achète chaussettes, ou elle achète boxer ou caleçon, ou elle achète kilotes, ou elle achète chemisettes. Ou elle prépare rentrer l'école Timoun. Ça m'a dit là, yo, quand pile parent qui a gardé la en Haïti et qui est à l'étranger, peut-être je dis en Haïti, mais qui vive ça m'a dit là? Qui vive ça m'a dit là? Soit comme parent ou dimanche comme petite. Comme parent, ou elle achète pour petit tout, et comme petite. Par où menon à l'acheter? Ou dis-moi, est-ce que par où à l'acheter pour en bas la ville? Mais je dis, hein, nèg yo détruit en bas la ville. Nèg yo détruit en bas la ville. Et me songe dans année avant yo. Tant en temps, tande, tel dit fait éclater dans tel marché. Dans Guérite, Hippolyte, marché en fait, Manokolo, marché si, marché ça. Presque chaque temps ou tande, on dit fait éclater dans un marché ça yo. Et laisse ça éclater, marché yo fait un pile déficit. Et ou pas ka joine moun qui fait ça. Ou tande bon, yo arrêté tel moun qui t'a suspect. Bon après ça, dossier close, dossier fermé. Jodi a monté sous Delma. Monté sous autoroute Delma. Commencer de Carrefour de l'aéroport, rivé tout Carrefour Delma 30, 32 et 33. Eh bien, majorité de ces marchands qui vendent là, c'est en bas la ville qu'on vend. Majorité de marchands qui vendent et sous pont Delma 32,
Eh bien, c'est moun qui t'a vendu en bas la ville. Et si yon pas t'a vendu en bas la ville, mais c'est moun qui a acheté commerce en gros en bas la ville, et yon vin vendu ni dans zone ça. Si menti. Ah. Si menti. Et je dis, hein, je crois que si après plusieurs années que nous perdons ensemble espace, nous perdons que ministre justice et le prophète Milsé te dit gagne ensemble territoire perdu. Nous perdons territoire, ça aussi est vrai. Mais je dis, hein, doit que en pile j'ai fort qui pour fait pour que ensemble de territoire ça yo pour yo capable récupérer yo. OK, pour yo capable récupérer yo. Et m'a dit c'est un bon matin n'a levé. OK, m'a dit son bon matin, non? Que n'a levé, n'a joint que ensemble de territoire ça yo qui t'est déjà perdu, qui perdit que nous prêt lever un bon matin, nous prêt joindre ça yo, c'est y a trouvé une résoudre. Si me dit ça, et si me t'a fait comprendre ça, qu'on aime dans menti avec nous. Oui. Mais depuis que volonté, j'aime toujours dire là. J'aime avec désir venir toujours dire là. Depuis que volonté, d'abord qui pour gagner, ensuite moyen pour gagner, et les petits moyens en termes de ressources humaines, moun policiers, militaires, et ça fait partie mission, hein? OK, qui donc ça yo après moyen ça yo après détermination après volonté n'a privé quand même atteindre au niveau n'a privé quand même atteindre objectif et qu'a permettre que gè plus espoir que désespoir. Est-ce que je dis en ka di que gè plus espoir que désespoir face avec question insécurité? Oui. Est-ce que n'ka di gè plus espoir que désespoir face avec question insécurité? Même pas konnen. Même si m'a konnen ki donc. Et d'ailleurs que c'est population haïtienne en soi qui vous dit que
est-ce que y a plus espoir que désespoir? Parce que c'est nous-mêmes qui avons vécu. Si c'est moi qui dis, nous qu'à comprendre c'est parce que Blaise a désir, a intérêt au combat à défendre. Même de tout le monde ça. Si on va qu'à défendre là les Haïti. Si on va qu'à défendre là dans pays, c'est pour que sécurité. Si on va qu'à défendre là dans pays, c'est vrai que la sécurité et tout chantier qui lié avec question progrès développement au pays, c'est vrai que ensemble de chantiers ça